Ah, voilà, ok. Donc ça doit être bon. En direct. Alors, on était en direct et je ne savais pas qu'on était en direct, donc peut-être vous avez vu. C'est 8h34, donc bienvenue dans cette petite live en direct avec René et Marc des itinéraires de Cœur en Joie. Je ne sais pas si vous voyez en bas, il y a notre chat Caramel qui aime beaucoup être dans notre salle de cours. Voilà, donc on vient de finir 2 jours intensifs de formation de facilitateur d'EFT et tambour chamanique. Et les élèves sont repartis dans toutes les directions en France. Et il faisait très très chaud, hein, canicule. Et là, magnifique orage qui arrive aujourd'hui. C'est fantastique pour cette pleine lune. Et donc j'ai eu l'idée de partager avec vous une petite méditation guidée avec le tambour chamanique pour vous faire descendre déjà dans vos racines et remonter vos intentions pour cette puissance de pleine lune avec la plus longue éclipse solaire de notre siècle. Pour aussi pour informer pour la fin de mois, le 25 et 26, il y a un deuxième, premier niveau qui démarre de formation de facilitateur de l'EFT tambour chamanique. Et voilà, le deuxième niveau est déjà programmé pour septembre. Donc voilà, bienvenue tout le monde. Les gens arrivent, je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Et le petit message, il faut que je vienne plus proche de ça. Commentaire. Si vous m'entendez bien, quelqu'un peut me signaler. Oui, oh, je vois qu'il y a des gens qui regardent. Ok, bon, voilà. Il y a un endroit où vous pouvez poster les commentaires aussi, mais à partir de 5 minutes, on va mettre dans la réception de son et mon intention, qui combinée avec vos intentions, nous formons un cercle. Et cette mouvement circulaire va véhiculer toutes nos intentions ensemble pour la planète, pour le bien-être. Et le thème que moi j'ai ressenti par ce passage d'ombre sur notre planète, c'est danser avec ses ombres pour aller plus dans la lumière et en sortir de l'autre côté. On ne va pas voir le passage parce qu'il fait encore jour, l'occultation progressive, mais on va tous après sortir, si on est à un endroit où on peut sortir, ou si on est dedans, on peut ressentir la lumière qui revient après cette ombre. Et pour moi, l'ombre, c'est un peu l'espace quantique où toutes les possibilités se présentent si on laisse... laisser aller et laisser tomber nos pensées limitantes et nos peurs. Donc, vous n'avez peut-être pas un tambour, mais vous avez un corps tambour, un squelette avec un pot tendu, c'est la même chose. Donc, vous tapotez sur cette pointe de la poitrine très doucement avec gentillesse. Et c'est un point central qui connecte directement avec le méridien de conception centrale et votre cœur. Et si vous connaissez le point d'EFT, donc vous pouvez aussi faire des circuits improvisés. Si vous avez des phrases à prononcer pour vous recadrer, pour que vous puissiez descendre progressivement dans l'énergie. Et à partir du moment où le tambour accélère, nos intentions sont montées. Voilà. Donc, j'ai dit plus rien après parce qu'on va vraiment rester dans le silence. Donc, à partir de maintenant, je vois s'il y a assez de gens. Bon, il y a des gens qui arrivent progressivement. Ah, merci Maria. On entend très bien. Moi, je me suis équipé avec le micro. Ah, super. Merci Caroline. Vive la pleine lune. Oui. Mais celui-là est spécial, donc c'est une occasion. Et donc, grâce à Caroline qui est ici hier, justement, elle est sur la route dans son camping-car. Mais on a vécu des choses très fortes avec Emmanuel, Caroline, Patricia, Étienne et Eliane qui venait de Rouen. Donc, si vous êtes là, je vous embrasse tous. Emmanuel, oui, je pensais. Il y avait Emmanuel aussi. Ah ben oui, Emmanuel, je crois que j'ai dit Emmanuel. Ouais. Emmanuel aussi. Et voilà, et bien sûr, on était avec nous, on était très gâtés pour la tendance. Donc, on a bien mangé et bien travaillé. Bonjour Brigitte, super, voilà. Voilà, vous avez essayé de parler un petit peu plus. Je regarde l'heure, je paye. Ok, et moi, ben. Donc, on va essayer de faire 10 minutes de tambour, qui est assez pour rentrer le cerveau dans les ondes alpha et faciliter un peu les états
de transe chamanique, mais plus vers la méditation profonde. Ah, ok. Bonjour les filles, ça va? J'espère que vous avez votre casquette américaine. Hein? C'est très important pour la méditation d'avoir une casquette. Voilà, pour que le cerveau n'échappe pas. Voilà. Oui, alors... bisous René, Caroline t'embrasse. Voilà. Moi aussi. En direct, en direct. Bon, c'est assez amusant, c'est live. Donc vous avez pu voir le gars avec les lunettes de soleil, c'est mon jumeau, c'est mon frère jumeau. Et j'ai pensé à appuyer sur un bouton qui donnait juste un petit favicon, un petit smiley, mais en fait je me suis sorti avec des lunettes, donc voilà. Et un chapeau vibrant. Et un chapeau vibrant quand j'ai chanté, donc ça c'est super. Ben, puisque vous êtes là, maintenant que les gens arrivent, est-ce que vous avez déjà entendu chanter deux tambours à la fois? Hein? Et c'est presque une quête, il y a presque une bonne intervalle entre ces deux-là. Je tape derrière avec mes doigts pour voir le vôtre. On y va. Avec cette chambre improvisée. Chambre de lave. Et grâce au tambour, on oublie que on fait quelque chose. Le son de tambour nous porte et nous aide à laisser porter et laisser faire au lieu de faire, qui est un peu la maladie du siècle. Cherche une baguette. Regarde ma montre. Ça va, René? Ça va très bien. Bon, ma chère femme René est gardienne de temple. Aussi gardienne de temple, parce que notre maison est un peu une temple ici. C'est une ancienne école libre et cette pièce est construite sur une ombre d'or, entièrement tapissée d'argile sur les murs. C'est moi qui a lissé tous ces murs avec l'argile, le torchis en fait. Donc c'est une pièce qui est extrêmement vibratoire et elle a une très bonne acoustique. Donc on va profiter aussi de toutes les vibrations, de toutes les cours qui sont passés par ici. Je vois encore un message. Oui, super, fais partager. De toute façon, ça va être en rediffusion. Alors pour ceux qui écoutaient en différé, dans l'énergétique, le temps n'existe pas. Donc, cet enregistrement va partir dans l'espace-temps avec l'énergie de cet instant-là. Donc vous pouvez rebrancher de cet instant sacré. Connectez-vous avec votre énergie yin féminine, qui est pleine lune, bien sûr, et augmentez votre ressenti de qui vous êtes et vous branchez sur votre identité profonde progressivement avec chaque inspire, expire, et laissez faire ce mouvement que je vais vous guider dans le passage. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez tapoter sur un point préféré, un de vos points
préféré, pendant que je vous guide dans la descente d'énergie, densification de vos intentions dans la matière, vous plantez les graines sacrées qui arrivent comme une pluie céleste. Et après, on va faire monter ces choses, ces énergies terrestres dans nos centres, le 7-8 centres et au-delà, parce que c'est là à l'infini au-dessus. Et tout en passant dans l'autre sens, ça va soulever toutes les scories grâce aux puissances de son qui dépassent les mots. Donc, une fois qu'on arrive dans le cœur, le rythme va changer, vous allez voir. N'hésitez pas à bouger chez vous, danser. Et une fois que j'accélère, c'est l'aigle qui va nous guider jusqu'en haut. Et ça va redescendre et densifier. Et après, on est dans le temps de silence avec une petite sonnerie de cloche. Et quand il arrive 9h, 9h05 peut-être, je vais terminer la vidéo et vous pouvez profiter pleinement de cet événement chez vous. Voilà. Bon, beaucoup de remerciements et gratitude. Je vois qu'il y a encore des gens. C'est bien. Je crois qu'il est au complet. Tu peux passer à moi si tu veux. C'est pas... Ah oui. J'aime bien les celui-là. Ça m'est bien. Alors, c'est là. Oui. Ah, non. Ok. Ok. Tiens, je vais faire ici. Voilà. Hop. Voilà, tout est en place. Tac. Pour les transitions. Oui. C'est vos derniers mots, Jean-Pierre? Voilà. Prendre une position confortable. Respirez profondément, laissez l'air entrer et sortir. Observez vos pensées. On remercie chaque direction. Commençons par le ciel et la terre. Merci le ciel, cette pluie céleste qui tombe sur nous. Connectons
posée par vos consciences, votre intention de connecter avec la source. Chemin faisant, ces énergies montent, touchent le plante de vos pieds. Cœur de l'homme en devenir sur terre, totalement entraîné
tout doucement. Restez dans le silence pour continuer à vibrer avec cette pleine lune chez vous, à votre façon, avec votre énergie de cœur. René et moi, on vous envoie tout notre amour ici dans l'itinéraire de Le Cœur en Joie à Brépont, à une petite heure de Paris. Donc le site c'est www.i-c-j.com. Sur mon page Alchemy of Rhythm and Sounds, tu peux cliquer sur le petit bouton en bas et inscrire notre infolettre pour les événements mensuels ici. Et on a en particulier une méditation de nouvelle lune chaque mois, sauf le mois d'août, donc ça reprend en septembre. Et à chaque nouvelle lune, on se réunit le soir pendant une heure et demie avec des tambours. Plein de bonnes choses à vous pour ce temps de vacances. Vérité à tous, en toute conscience. Voilà. Et en essayant chacun d'être au plus proche de l'amour inconditionnel. C'est tout un programme. Oui. Je vais appuyer sur le bouton magique. Je vois Brigitte, Sébastien, Caroline, on vous embrasse tous, Evelyne, oui, oui, plein de petites choses qui pétillent partout, bah, vous êtes comme des lumières qui pétillent partout. Et notre chère Caroline, semeuse de graines de lumière, m'a bien coaché pour cette première événement live sur mon page, donc vraiment plein de gratitude pour elle et son mari et les deux enfants qui... Ils sont vraiment de semences d'étoiles et qui partent sur une longue aventure, justement dans l'inconnu. Ils nous ont conquis, ouais. Voilà. Allez. Plein d'amour à tous. Ouais, il est temps d'appuyer sur le bouton. Gros bisous, bye bye, à la prochaine. Tchou tchou. Merci, ça va rester en réécoute, j'espère, je crois que c'est, voilà. En tout cas, c'est ce qu'on a ressenti, c'est éternel, donc ça change rien. Gros bisous, je ne peux pas aller parce que j'ai enlevé les lunettes. En août, ah oui, Caroline dit, en août, c'est le 25 et le 26 août, prochain, premier niveau de facilitateur d'EFT et tambour chamanique. Donc venez expérimenter toutes ces choses. Hein? Merci Caroline. Merci Caroline de me rappeler. Voilà, le cerveau a besoin de plusieurs fois pour... intégrer les informations, donc je vous fais des petits rappels comme ça, pas pour vous écraser avec des pressions, mais vous inviter dans une cercle complètement insolite pour vivre quelque chose de nouveau. Merci à vous tous et pour toute cette énergie en nous. Amusez-vous avec la lune. Belle été. Ciao, ciao. Belle nouvelle lune, elle est puissante. Ah, en tout cas, j'essaie de vous montrer le chat. Caramel, depuis tout à l'heure, Caramel est complètement à plat, même avec le tambour. Il a 18 ans, il adore le tambour. Et quand il on aime, fait le cercle. C'est un grand méditant. Voilà, et là, il y a encore le cercle qu'on a fait pendant ces deux jours intensifs avec toutes les vibrations de cinq êtres vraiment lumineux qui nous a vraiment. Avec lesquels il y a eu beaucoup d'échanges. Ouais. Très fort. Merci, gratitude, bye bye.